Il ne faut pas être grand pour commencer, mais il faut commencer pour être grand. Oui, en effet, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. La Bible dit d'être une lumière, alors y'a de quoi être fier. Sache qu'on ne mesure pas l'obscurité, seulement l'absence de lumière. Parfois tu te fais traquer par Lucifer et tu te demandes pourquoi encore toi. Tu fais même cette prière, Seigneur augmente la lumière. Comme si t'avais besoin d'être éclairé. Mais attends, tu t'es pas un peu trompé? En vrai, c'est à toi d'éclairer. Un vrai chrétien prie pour que les ténèbres augmentent, car il sait qu'il va impacter. Non, faut pas qu'on te mente, t'es une lumière ambulante. C'est l'absence de ta présence qui leur produit cette vie si rabaissante. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Parfois c'est dur de marquer la différence, mais bon mon frère, vive la repentance. Elle n'est pas que pour les païens, elle est aussi pour un chrétien qui ne sait pas d'où il vient. Car on vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde, frère. Oui, on a le pouvoir de transformer l'opposition en soumission. La Bible nous dit dans 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. You shine, you are, we are, you shine.